Bouh, c'est Miss Nemo. On se retrouve dans le Fufu masqué. Oui, je dis plus le nom du jeu parce que ça m'énerve, je sais pas comment on le prononce. Je vous reprends, enfin, tout de suite après, parce que quand même, du coup, je ne pouvais pas sauvegarder et je ne sais absolument pas ce qui va se passer. On était. Non, je ne peux pas passer. On était allé voir dans la cachette d'Irine. Et une fois qu'on est entré, on a eu cette espèce de vision bizarre. On l'a vu crapahuter un peu partout. Alors, est-ce qu'on a fusionné avec elle ou pas? Je ne sais pas. Comment peux-tu être là? Tu es morte. C'est peut-être l'endroit où les morts attendent quand ils n'ont nulle part où aller. Et te voilà. Est-ce que tu es mort, Garrett? Non mais c'est un labyrinthe le truc, t'as trouvé mon... Suis-moi pour connaître la vérité. Ah non, fallait juste que j'attende en fait. Je t'ai observé. Je voulais être toi. On se ressemble tellement. Mais pourquoi je me suis obstinée? Le monde a déjà un Garrett. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu voles une clé de la vérité. Ça date d'avant que je quitte la maison et que je devienne Erin. Mais tu devras la trouver toi-même. C'est la règle. Commence à chercher. Je te dirai si tu chauffes. Non mais d'accord, mais je fais quoi là? Une clé de la vérité, c'est-à-dire... Tu chauffes. Quoi? Bah c'est moi ça, non? Avec leur capouille et tout. Un peu plus loin. Claude, forcément, il doit être là. Bah oui. Je croyais fan de nous à ce point. Mais... C'est comme si Erin voulait que je trouve quelque chose. Je peux pas partir sans vérifier. D'accord, en fait, elle a fait un piège, mais dedans, elle a mis un espèce de pavot étrange hein, qui te fait voir des trucs. Et toi, tu comprends quoi? Tu comprends que faut que tu pisses à baraque. J'avais pas besoin du pavot pour comprendre qu'il fallait faire ça, mais bon, écoute. Et en tout cas, elle dessine vachement bien. Hein. Sauf là, là, tu fais quand même super peur. Hein. Mais bon. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi Irine avait ça? Quitter le repère. Et je fais comment? Ah bah oui, là. J'espère que c'est pas un truc du genre, ouais, voilà, on a fusionné, ou je sais pas, à cause de l'espèce d'orbe magique. En fait, elle est dans notre œil là, celui qui s'est fait toucher, qui est tout bleu clair. Et j'aurais pas pu tout simplement passer par là? Moi, j'imagine que maintenant, oui, ça doit être possible. Alors, où sommes-nous? Nous sommes là, d'accord, tout à fait, oui. D'accord, bon, le seul moyen de sortir, c'est de passer par là-bas, de toute façon. Je vais sauvegarder un petit coup quand même. Voilà. Bon, on va passer par là. Suivons le chemin que
que nous traçons. Oui. Je pense qu'il l'aime bien quand même, Irine, mais... Apparemment, ils ont une relation ensemble, mais... Je sais pas comment il la considère, peut-être comme... Elle est peut-être trop imprudente quand même pour lui. Direction la maison des pivoines. Elle est signalée par des lumières rouges. Si je trouve les lumières, je trouve le bordel. Bon bah déjà tu vas commencer par grimper sur les toits pour être tranquille. Du coup j'ai pas de quête secondaire par là en fait. Elles sont toutes assises. C'est quoi ça? Ah bah si bah c'est là d'accord. Ouais les autres elles sont en dehors. Bah du coup je vais faire Victory, d'accord. Ouais je vais faire ça et après je... Parce que j'imagine que du coup les quêtes, même si j'ai fini le chapitre, elles restent quand même. Puis j'ai pas fini. Ça ferait beaucoup d'aller-retour je pense. C'était G. Ouais voilà. S'il y en a, je ramasse. Hein. Maintenant, je profite du coup que j'ai compris à quoi ça servait. Oh. Ouais, j'ai 400. J'ai vraiment pas grand-chose. Hein. Faut que je trouve des bons trésors. Là. C'est pour ça que j'aimerais bien aller à la banque. Mais, oh mais ça va me hanter. Hein. C'est mon rêve hein, de trouver la banque hein, dans ce jeu-là. Hein. Ça devient mon précieux la banque. Qu'est-ce que c'est ce machin? Ça fait mal? Non. Je peux grimper dessus? Non plus. Par des lumières rouges. Bon bah je pense que ça doit être par là. Hein. Je suis en train de me demander si j'ai pas l'impression hein, comment faut que je saute aussi haut. Je vous avoue que là j'ai pas réfléchi. Hein. Je voulais sauter là-haut, je me suis demandé si je pouvais sauter à partir de là en fait. Tout simplement. Mais comme j'ai peur de refaire une connerie comme dans l'épisode précédent, on va sauvegarder. Parce que les sauvegardes, c'est bien. Bon, apparemment c'était nous. Allons, mesdemoiselles, 10 minutes, je ne demande pas plus. La maison des pivoines vous a mis sur liste noire, seigneur. Enfin, on ne dit plus seigneur, apparemment, si? La liste noire? C'est complètement... pour longtemps? Jusqu'à ce que vous ayez les moyens, Edmund. Donc, jusqu'à perpète. Je suis sûre que vous dégoterez une pince-nœud bon marché qui supportera votre sale caractère. Vous profitez bien trop de cette situation. Non, Edmund. On en profite juste ce qu'il faut. Bah, je peux pas la baisser, ça? Bah, je pensais que si. Crocheter la serrure. Je peux éteindre la lumière qu'elle a ou... non, c'est un truc électrique, et bah, évidemment. Bon, bon, allons-y. Voilà, hop. Bon bah y a rien de plus ici apparemment, mais bon.
Moi, ce qui me perturbe, c'est que comment je fais tomber ça là? Je croyais que c'était la poulie, mais elle a l'air d'être cassée. J'ai tiré dessus, ça a pas marché. Si je tombe dans l'eau, j'ai peur que ça... Ah, mais elle est là, d'accord. Mais j'ai pas besoin de sèche pour rien, quoi. Non, c'est pas grave. Peut-être pas que je rentre par la grande porte quand même, non? Enfin, on me dirait grande porte. Voilà, oh, ça fait mal aux yeux, ça. Non, j'ai dit eux. Chapitre 3. Commencer ce chapitre. J'ai un doute pour les quêtes que j'ai prises quand même. Vous savez quoi? Je vais sauvegarder. Voilà, et si jamais on peut pas refaire les autres quêtes, je reprendrai cette sauvegarde-là et j'irai remplir les quêtes avant. J'étais en train de lire le texte, mais je comprenais pas en fait. J'ai arraché l'anneau que voulait Basso directement des doigts de l'attrape voleur en chef, le chien de garde du baron, mais je ne suis pas plus avancée. Ah, mais d'accord, oui, c'est nous qui disons ça en fait. Enfin, voilà. Enfin, du coup, On est est-ce que. obligé. Où est ma... Objectif. Ouais, j'ai l'impression que j'ai plus les autres quêtes, hein, du coup. Ouais, non, j'ai plus les autres Garde. quêtes, donc c'était ça? Ça a l'air, hein. Heures 25, 20h28. Sauvegarde manuelle, point de contrôle. Ça doit être celle-là. Ouais, j'avais peur de ça, que comme j'ai pris les quêtes, et bah du coup elles sont enlevées. Donc du coup je vais faire les quêtes secondaires et après je reviendrai là. Je vais peut-être vous épargner le trajet. Où suis-je? Ah oui, ouais, bon, c'était pas celle qui était exactement juste avant, mais Oula. Mon Steam qui... D'accord. Allons, mesdemoiselles, 10 minutes, je ne demande pas plus. La maison des pivoines vous a mis sur liste noire, seigneur. Enfin, on ne dit plus seigneur, apparemment. La liste noire? C'est complètement... pour longtemps? Jusqu'à ce que vous ayez les moyens, Edmund. Donc, jusqu'à perpète. Je suis sûre que vous dégoterez une pince-nœud bon marché qui supportera... Bah, j'avais oublié ça en plus. Bien fait de recharger. Je vais peut-être vous épargner le trajet parce que déjà j'ai du mal à me déplacer dans la ville. Si en plus il faut qu'on se refasse tout en arrière. Je vais voir ça, je vais voir ça. Parce que là, où suis-je? Je vais essayer d'aller par là. Donc là, il faut que je tourne à ma gauche. Non, oui, enfin, on pourrait dire droite, remarque, mais faut que j'aille derrière moi, en fait.
Bon, en tout cas, je vous retrouve là-bas. Je fais une petite ellipse, hein, parce que le temps que j'arrive à, à y aller, ça va être long. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite. Allez, allez, j'attends. Vous attendez quoi? L'oracle, vieux pochetron. Bouh, je vous retrouve là. Je sais, je dis bouh, non, non, c'est qu'un rhum, mais c'est parce qu'il s'est passé un petit peu de temps pour moi, du coup. Il est rangé ailleurs, en sécurité. Les dieux au tombeau! Je patiente jusqu'à la sonnerie du beffroi. Sinon, vous trouverez un autre pigeon pour écouler vos cochonneries. Pas besoin de vous mettre en brume. Je reviens tout de suite. Lenny, c'est pas la première fois que je vole au roi des ivrognes. Bon, c'est reparti pour un tour. Ouvrir une porte quand la poignée arrête pas de gigoter. Si je ne fais pas attention, je vais sauvegarder du coup. Donc voilà, j'ai réussi à traverser la ville, non, enfin tant bien que mal, hein, parce que fallait passer par un petit chemin et tout qui était par-dessus les toits. Enfin, j'ai galéré. Hein, vous vous en doutez. J'ai beaucoup galéré. Pourquoi contrat raté? Ouvrir la porte pour Lenny ne pas se faire repérer. Pour ouvrir une porte quand la poignée n'arrête pas de chicoter. Je sais pas moi comment je la fais, comment j'ouvre cette porte. Je crois que j'ai compris, mais c'est moche. Oh, j'ai trop mal au dos. Ça va faire chèque. Il faut pas que je me fasse repérer de lui non plus. Voilà. Je baisse un peu le son de mon casque parce que du coup. Comment je vais faire ça, moi? Je peux pas neutraliser les gens, du coup, parce qu'ils vont me voir. Bon, ça va encore faire échec. Encore une nouvelle invention à la noix. Une poignée qui bouge. Ah, voilà, faut passer derrière, en fait. Personne n'écoute. J'ai besoin d'une flamme. N'importe quoi. Hein, purée, c'est qui? Pas le nord. À avancer pour arriver à son repère, ne pas se faire repérer. Oh, vous êtes sérieux? Faut que je l'aide à rentrer alors qu'il est bourré, mais il y a des gardes partout. Bah, il avance ou pas? Personne n'écoute, j'ai besoin d'une femme. Ah, il me voit lui. Mais je dois faire quoi là? Je comprends pas. Alors je vais essayer de passer par là.
Tiens, je vais prendre des trucs comme ça parce que c'est vrai. Attention. J'espère que c'est pas trop trop loin hein, quand même, hein, parce que. Faut que je marche normalement là, parce que si je me fais. Non, faut pas que je marche normalement. Il est complètement pété. Ok. Je vais sauvegarder parce que je comprends pas ce qu'il faut que je fasse là exactement. Je veux bien passer par là, d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Oh, il y a encore un truc à activer, d'accord. Mais la pauvre fille, je vais rien. Roger, si vous vouliez me faire partir, suffisait de me donner un coup de pied dans les maillots comme d'habitude. Oh, ce bâtard m'a mis de la merde partout. Lenny, je suis sûr de la récupérer un supplément pour tout ce que je vais vous faire subir. Quand je me serai débarbouillée. Oh la pauvre, je voulais pas. Oh mais non. Parce que je t'ai poussé les fesses. Mais je voulais juste passer derrière toi. Quand je me serai débarbouillé. Non, je peux pas passer par là. Oh. La fermer à trouble court. Il va falloir que je passe par là. Ben non. Bon, pas grimper, pas avec ces chaussures. Je pourrais m'arracher le sac à maillotche. Déjà que ça me gratte comme un vieux chardon. Je vais me poser là 2 minutes. Ah voilà, en fait, fallait juste attendre qu'il... Mais non. Voilà, ici, il te verra pas. Hé, hey, c'est moi, Lenny. Tu m'ouvres, s'il te plaît. Crie pas aussi fort, de toute façon. Tu peux prévenir les bouchards et les couleurs, on est là. Le vieux Lenny ne les laissera pas passer. Tu ne devrais pas avoir de mal à enjamber ta carcasse imprimée. C'est juste pour arrêter les flèches.
boulot. Prendre Lémy en filature, un boulot à part entière. Enfin, il m'a emmené jusqu'à son bureau. Oui, non mais d'accord, mais je vais pas rentrer comme ça, peut-être, non? Si? Content de m'en débarrasser. C'est lugubre, un crâne. Quand je pense qu'on a tous un sous le visage. Bah oui. Je vais sauvegarder parce que je sais pas si en fait je dois passer derrière eux pendant qu'ils parlent ou pas. Parce que j'ai pas l'impression que... Ah si, peut-être. What? Ah bon bah non. D'accord, ok. Oui, en effet, c'est pas mal aussi. J'avais... Merde, 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 planque-toi, 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 planque-toi. Il veut pas venir ? Il est où ? Oh zut. Je suis gelé. Voilà. Bon, on va peut-être pouvoir fouiller un petit peu tranquillement tout de même. J'imagine qu'on n'était pas obligé de le taper, voilà, on pouvait juste passer par là. Mais bon, hein, dans le doute. Ok, là c'était là où on était tout à l'heure. Mais ah non, là ça doit être pour ressortir certainement. Mais il est où l'autre? Est-il en train de picoler? Mais j'ai fait A, mais c'est pas vrai, non? Bon bah vas-y, tue-moi, je vais recharger la sauvegarde, mais non! Allez, pouf, je te mouille. Je voulais faire neutraliser, pourquoi ça a pas marché? Genre ça me...
mec s'est bougé ses dents, il voit plus rien, mais... Attends. Voilà, t'as plus mal. Mais j'ai peur qu'il me voie. Qu'est-ce que c'était que ça? Quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui rôde là-bas? Les Mayol, les trois fils, je me trouverai. Ou alors faut que je l'attire en bas, à l'espèce de cave. Je sais pas. Est-ce qu'il va rallumer la... Non, il ne la rallume pas. Je suis sûre... Attendez. Je vais passer par là, mais je suis sûre que je peux le neutraliser en fait. C'est pas possible, j'ai appuyé sur A, genre il s'en est rendu compte... Non, il bouge pas. Je vais le cacher. Parce que si l'outil se réveille et qu'il voit le gars... Pardon. Je l'ai peut-être un petit peu fait mal, mais bon. Je re-souviens maintenant que j'ai réussi. J'imagine que lui, je peux pas le filer. À neutraliser aussi. Ouais, on va le neutraliser. Dans le doute. Oh, un coffre. Ça. C'était un nouveau trésor. Alors, il est du devoir de chaque femme de se présentant en public de veiller à être présentable aux côtés des gens. Mais qu'est-ce que c'est, femme Constance? C'est une broche? C'est quoi? C'est un pendule? Un pendentif? Bon, je crois qu'il y en a en haut, hein, d'après ce que j'ai entendu. C'est dommage que... Bon, j'espère qu'il n'y a que lui, du coup. Sorti d'un numéro de Vittori, sauf que c'est un crâne. L'étranger que tu rencontreras, grand, bien bâti et obscur sera. Quoi? Qui c'est qui dit ça? C'est le crâne? Une attraction, les gars, hein? Ah, il est plutôt sympa quand même, hein, stylé. Hein.
un grand baraquet, c'est ça, un truc comme ça. Qu'est-ce que... Qui ça peut être, je sais pas moi. C'est Orion, c'est ça? Je peux pas lire là. 585, et on est toujours pauvre. Hein. Enfin, pauvre. Je sais qu'il y en a qui sont plus dans la galère, mais quand même. Je trouve qu'on a peu d'argent. Il faudrait qu'on se renfloue un petit peu les poches. Tu vois, parce que moi je marche comme ça tranquille, bon. M'inquiète pas de savoir s'il y a des gens ou pas. Oui, je voulais dire tout à l'heure, quand j'en ai... C'est dommage que le sens, c'est pas comme The Last of Us, où on voit à travers les murs, enfin on entend les gens en fait, du coup. Parce que là, je les vois, mais s'ils passent devant moi, sinon. Ah oui, d'accord. C'est là, oui, là où j'ai assommé le mec et j'ai balancé l'autre. Non, donc il faut que je remonte et que je repasse par... D'accord. Ouais. D'une personne noble, tu voleras le cœur. De ses richesses sera détenteur. C'est le crâne qui a parlé à la fille là. Elle est où? Je peux l'aider ou pas? La pauvre quand même, c'est pas super cool. T'as rien vu, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Pour comprendre qui tu es vraiment. La sagesse vaut bien plus que l'argent. Non mais genre le crâne il me parle quoi. L'esprit boiteux, bourse noircie, regard charbonneux. Assois de la concurrence pour être la plus grande gueule de la cité. Je me fierai quand même plus à lui pour me prédire mon avenir. Contrat réussi. Mais genre le crâne il me parlait quoi. Ne pas se faire repérer. 201. Ne subir aucun dégât. Oh, on a eu des bonus. Deux neutralisations au combat. Voler tous les objets et trésors. 69%. Oh, j'en ai raté. Trésor trouvé 2 sur 3. Total hors volé. Bon bah c'est déjà pas trop mal alors. Ouais, faut vraiment faire les contrats, hein, parce que... Bah on gagne beaucoup plus d'argent avec ça, hein, de toute façon c'est un peu comme dans tous les jeux, c'est les quêtes qui rapportent le plus. Mais ça aide pas mal. Les Murennes font partie des gangs qui rôdent à Riverside. Pour éviter les ennuis, c'est mieux de prendre par les ruelles. Comment ça, y a un gang? T'as peur des gangs? Peur, remarque peut-être pas, mais j'imagine oui, t'as pas trop envie de te prendre la tête avec ça. D'accord, avec ça, voler ici. Oh, ok. Bah écoute, je vais prendre par les rails. Attends. Que faisons-nous? Que faisons-nous du coup? La quête est là. Il faut qu'on aille... Ah oui, récupérer la main de l'autre gars. Ouais. On va faire ça. Je peux passer par là? Non.
Mais je vais pas passer par là, si. Je peux. Mais je vais crever, là. Ah, oui, ouais, forcément. Grappin, c'est ça. J'aime bien parce qu'il a la force, il se laisse pas glisser, il descend, quoi. C'est vraiment... Oh. Oh. C'est pas super cool en fait. C'est pas top l'ambiance en fait ici. Mais bon, c'est un peu stupide. Attendez, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un truc? Je vais regarder avec les sens mystiques, la magie, parce que... Ah non. C'est-à-dire qu'on a utilisé une flèche de grappin pour utiliser, pour récupérer une flèche de grappin. C'est pas très... Enfin... À moins qu'il y ait un truc là-haut, mais... Bah non. Non, non, non. Attends, attends, attends. Par où il faut que je passe? Par là-dedans? Non, là c'est là d'où je viens, hein. Vous savez quoi? Je pense que je vais vous faire une petite ellipse, hein, le temps que je trouve le chemin. Ah bah oui, non, bah c'est là. D'accord, bah oui, forcément, mais j'avais pas vu. Voilà. Peut-être une petite ellipse, juste le temps de... d'aller bah, là où on doit se rendre. C'est 50 pas, c'est un peu loin quand même. En plus, c'est par là-bas. Donc, ça vous évite de faire tout le trajet, de perdre du temps sur l'épisode. Comme ça, vous voyez vraiment les trucs intéressants. Je pense que maintenant, on connaît à peu près bien la ville pour se permettre de. Ah non, mais il est tombé, je voulais qu'il saute, mais apparemment non. Donc, voilà, je fais une petite ellipse et sur ce, je vous dis à tout de suite. Donc, je vous retrouve devant la maison normalement. Donc voilà, l'objectif est là. Juste avant, j'ai trouvé, je vais vous montrer, je crois que c'est dans document. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc en fait, c'est interrupteur 1, ça me dit l'ordre dans lequel je dois les activer. Donc sûrement que ça doit activer quelque chose, donc je pense qu'on le fera une prochaine fois aussi. On sait qu'on a ça à faire. Voilà, hop. Donc on va récupérer la main mécanique du monsieur. Ce serait sympa s'il pouvait nous donner un espèce de... Hector, c'est là que je trouverai l'homme de la situation. Dégage, sale rebut ! C'est une soirée privée. Je vous en supplie, mais j'ai nulle part où aller. Si t'es toujours là dans 3 secondes, tu passes la nuit avec les murennes. Une, deux... Je m'en vais, ça va. Je m'en vais. Je t'en souviens. Bah oui, mais toi, bien de dos à moi. Je croyais qu'il fallait que je tape, mais non, en fait, il va dormir, donc ça va. Les ruines sont plus sûres. J'ai pas de... Ouais, faudrait que je trouve un truc qui fasse du bruit, en fait. Est-ce que si je fais ça... Ah non, pas du tout même.
J'en profite, hein, je visite un petit peu. Parce que du coup, je suis jamais allée. Eh, faut vraiment que je regarde où je me mets pas tout, non, parce que... Vous avez pas vu, mais sur le trajet, du coup, j'ai pillé une espèce de repère des méchants, là, ils parlaient d'un gang juste avant. Oula, le téléphone qui sonnait qui m'a fait peur. C'est pour le chronomètre, en fait, que je le mets là, désolé. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc un repère de sirène ou je sais pas quoi, c'est un truc comme ça, ça s'appelle. Donc ça va, j'ai pu me refaire assez correctement, je gagnais pas mal. Mais oh, il y a quelqu'un là. Ah voilà, c'est les murènes, c'est pas les sirènes. Même le tailleur a trouvé un moyen de s'enrichir grâce à la grisaille. Le tissu est moisi, vous n'aurez pas la moindre pièce. Bon, on n'a plus qu'à saccager ta boutique. Ah, attendez, ne nous emballons pas. Laissez-moi un peu de temps. J'aurai tout à payer. Plus vite que ça. Je regarde ce qu'ils font. Bon, faut pas que je passe par là, hein, ça va être trop... Je pense qu'il faut que je neutralise celui qui est devant, là. Qu'est-ce que c'était ça? Oh, ça fait quoi? Je peux pas reprocher à quelqu'un de m'éviter. Voilà, comme ça je me mets derrière lui quand il revient. Et je pense pouvoir du coup l'attaquer plus facilement. Il peut être n'importe où. J'aime pas ça. Ouais. Voyez, voilà, là j'ai 1200. Je me suis refait un petit peu, donc c'est pas trop mal parce que j'ai perdu beaucoup là avec toutes ces améliorations, les machins. Crocheter la serrure, bah ouais, mais on va essayer de passer. Ah, mais il y a un coffre là. Ah non. Ah, c'est pour monter. Est-ce que je peux passer par le haut, peut-être? Ah oui, certainement. Non, mais non, éteins la lumière. Bon, déjà. On éteint la lumière. Ensuite, on pille tout. J'ai entendu la porte s'ouvrir, en fait. Quand ça m'a fait flipper, mon Dieu. Belle pièce. D'accord, je pensais qu'il y allait avoir un truc derrière le cadre, mais non, en fait, c'est... Ah, et un nouveau document. Marché conclu, Alfonso, mes murènes vous livreront votre tissu deux fois par semaine, voire plus souvent. Cela dépendra de ce que nos contacts dans la vigile nous fourniront. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ouais. Sur un coin au dos de la toile, on peut lire la véritable épreuve quand on aide quelqu'un, c'est de savoir si oui ou non sa situation s'améliore. Même les cadavres gagnent à se faire dévorer. Oui. Où est-ce qu'il plante ses sous?
Et il est pas bien lui de rentrer comme ça, hein. Faut toquer, hein. Même s'il y a personne chez toi, faut toquer. Ouais, c'était moi qui marchais. J'avais entendu les pas en fait. J'aime pas, je suis dans la lumière là. Là, j'ai l'impression qu'il y a personne. Ouais, là ça va en bas. On va fermer la porte là. Ouais, c'est bon. Bon. On va se refaire une petite bouteille d'abord. Il n'y a pas moyen d'éteindre la lumière. Non, ils avaient des toilettes à l'époque. J'aurais vu ça beaucoup plus. Vieux que ça en fait. J'aime bien, ils ont des. Pas d'interrupteur quoi. Ouais, il y en a pas tout le temps d'interrupteur, c'est un peu con ça. J'aime absolument pas cette radio. Non, ce machin. Pourquoi il fait du bruit? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? Pour conserver une silhouette mince et saine, la jeune et le corset serré sont incontournables. Bah oui, bien sûr. Un tel pour te péter la santé. Je sais pas ce qu'ils disent, hein, c'est pas vrai. Alphonse, veuillez pardonner ma disparition soudaine, j'ai été contraint de me cacher après mon désaccord avec le baron. Il reste trop dangereux de vous contacter en personne. Gardez la main à l'abri pour le moment. Ah oui, la main, le truc qu'on cherche. Je vous communiquerai plus de détails dès que je le pourrai. D'accord. Je vais sauvegarder dans tout ça quand même parce que. Voilà, hop. Bon, on a fait ça, va falloir descendre. Hein. C'est là que ça va se compliquer parce qu'en bas il y a les deux autres là. On va voir si en bas. Yeah, ils ont veillé ces lieux quand même, hein. Ils cherchaient tout partout, un peu comme moi, mais bon. C'est joli la robe qu'il est en train de dessiner. Par contre, ah oui, c'est une machine à coudre. Mais c'est ce qui est dommage, c'est qu'on a que des costumes d'hommes. Cahier d'Alfonso. Outil de test, main mécanique du projet, non. Test sur traction légère, déchirure catastrophique, échec. Test de traction légère, tissu intact, mais élasticité compromise. Succès modeste. Test 3, moyenne, légère, chirurgie, échec modeste. Progrès, la qualité du tissu s'améliore, je dois trouver des nouveaux fournisseurs avant de continuer. En gros, il servait de la main pour pouvoir coudre, c'est ça en fait.
Mais au lieu de la voler, il aurait pu en commander une hein, aussi. Hein, mais bon. Oh, j'aime bien ça. Voilà, non. Ah ah. Navré, Alfonso. Cette main ne confectionnera plus de gants. J'aurais bien fouillé quand même. Bah là où il y a l'autre gars en fait, où on aurait pu crocheter, enfin le, à vouloir me tuer. Ouais voilà, vous voyez ici là, il y a l'air d'avoir des trucs sympas quand même. Où tu caches la clé du coffre-fort, Alfonso? Debout, Alfonso. Qui vient fouiner par ici? Bon, lui, il a l'air... Voilà, déjà, toi, je te prends ton or. J'espère qu'il est pas mort, le pauvre, quand même. Trouver un nouveau fournisseur est dessus, le stock actuel est insuffisant et la boucherie est trop chère. Revenu de 1, l'âge de maison à compte. Costume sur mesure, client décédé, anonyme, rouleau de tissu carmin, 10 mètres. Linge de table, dépense, blanchisserie plus. Ok. J'aime bien là, on se refait un petit peu d'argent, c'est pas trop mal. Je préfère économiser parce que je vous dis, je sens qu'ils vont me demander un truc hyper cher et que bah je vais être obligée de pas de le prendre. Comme le truc pour la pince, au début je l'avais pas pris. Et puis bah, je me suis très vite rendu compte que bah mais non mais ça je n'ai pas besoin, donc tant pis. Très vite rendu compte que j'aurais mieux fait parce que les pièges en fait c'est vraiment utile de, bah, de les amorcer. Ils sont toujours ouais, on a toujours un là je crois. Non? Ah bon bah il y en a plus. Bon et bien voilà. Fait main, contrat réussi 75. Fouiller 5 poches, ah zut. Tuer ou neutraliser une personne. Bon bah ça j'ai fait. Bon bah c'est pas mal ça. Ça fait pas mal d'argent. Je suis contente. J'aime pas quand on trouve pas beaucoup d'argent. C'est pas bon pour le moral. Pour le moral d'un petit fufu. Enfin bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, on aura fait les deux missions secondaires. L'épisode commence à être un petit peu long, je pense. Oh. Oui, il m'a semblé voir quelque chose, donc juste potentiellement. Non. Il y avait un truc qui brillait là. C'était pas moi. Hein. Bon bah, c'était moi. Vous voyez, je trouve au jeu, voilà, je vois plein de choses qui brillent, je vais les ramasser. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et puis je vous dis à une prochaine fois pour la suite des événements. A plus!